Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous propose que nous commencions tout de suite pour ne pas prendre de retard sur le programme dès le début de la matinée. Et pour se réveiller un petit peu après le petit déjeuner et cette nuit, je vous propose d'accueillir la troupe Oups. Mais quel accueil, formidable. Eh bien, bonjour à tous. Matinalement. On laisse les dernières personnes s'installer. On va démarrer la matinée avec vous. J'espère que tout le monde a bien dormi, que vous n'êtes pas couché trop tard, comme vous l'ont dit les foulards jaunes, hier soir. Ouais. On sait que certains sont couchés tard, on y était. Voilà. Il y en a qui ont vu Mathieu Chédid hier, qui était ici au PMC. Alors, on vous a imaginé pour ce matin... Ça arrive encore, donc on va juste laisser rentrer encore. On vous a imaginé pour ce matin une bande-annonce d'un film, une nouvelle version d'un film que certains d'entre vous, tout le monde reconnaîtra, même ceux qui ne l'ont pas vu, tout le monde connaît. Voilà, bah, tout de suite. Tout de suite. Générique. Tout semble bien se passer sur la planète femme, le marcassin malicieux. Dirigé d'une main de fer dans un gant de velours, par son vénérable directeur, Yoda. Luke Patrick Walker séjourne au Marcassin Malicieux depuis plus de 10 ans. Il est accompagné par son guide éducateur référent, Hans Solo, parce qu'on n'est pas assez. Luke va apprendre aujourd'hui qu'il va devoir partir à la recherche de l'autodétermination, retenue et bien cachée depuis des millénaires par le grand méchant Prince qui patine. Qui en empêche son utilisation. Comment Luke Patrick Walker va-t-il se débrouiller dans ce combat de tous les jours? Ah! Mon Dieu, ça ne tient pas ça! Je vais le remettre avant de commencer. 10 ans que je suis dans cette institution. J'y suis bien, mais je sens que les choses bougent doucement. Je ne sais pas trop comment faire. Le directeur, Maître Yoda, m'a demandé de venir et de l'attendre ici. Je me demande ce qu'il veut me dire. Je me demande ce qu'il a à me dire, mais je l'entends arriver. Oh. Très intéressant, c'est... Les 7 outils de la loi 2002, je applique et je vais. Oh, Maître Yoda, oh. Vous voilà, je vous attendais, vous êtes tellement beau, tellement... Oh, trop de cérémonies tu fais. Ensemble, ici, nous vivons. Nos relations simplifiées, nous devons. Ok, tape-moi 5, Yod. Le bouchon un peu loin, tu pousses. Mais dans les orties, ne pas pousser, il faut... Un juste milieu, trouvé tu dois. Bien, Maître Yoda, vous m'avez fait venir. Pour quelle raison? Je... Pour une quête très importante te faire venir, j'ai... À la recherche de l'autodétermination, partir tu dois. Un long chemin, dangereux, traversé tu vas. Contre le prince qui patine, combattre tu devras. Mais quoi? Comment? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Expliquez-moi. Trop d'informations te donner, je ne vais pas. Oh. Tout te donner, tout faire à ta place, je ne dois pas. Oh. Te débrouiller, tu devras. Et arrêter à l'envers de parler, je dois. Parce que chiant, c'est... Je sens comme un petit ventre qui gargouille. À la cantine de la direction, descendre je vais. Du gratin de chou-fleur, il y a. Merci, merci maître, mais je suis un peu... Oh, qu'est-ce que vous mettez du temps à sortir, oui. C'est long. Pas facile, c'est pour tout le monde. Mon Dieu, je dois combattre le prince qui patine et aller à la quête de l'autodétermination, mais... Mais comment faire? Suis-je armé pour cela?
J'ai peur de ne pas savoir. Je sais. Il faut que j'aille voir mon mentor éducateur. Celui qui me guide. Han Solo, parce qu'on n'est pas assez. Mais je crois que je... Michael, non, fais pas ci, fais pas ça, fais plutôt ça. Non, tu as... Ah, arrête, voilà. Oui, tu te calmes. Ah, vous voilà, je vous cherchais en dessous. Tu es là. Oui. Là, j'étais en train de m'occuper de la chaise roulante de Michael de l'ordre des sites. Hein? Sites, en anglais, s'asseoir, sites. L'ordre des sites. Tu l'as? Hein? Tu l'as? Aïe. Oui, bien sûr. On la refait parce que tu vas voir. J'étais en train de, Michael, de m'occuper de la chaise roulante de Michael de l'ordre des sites. C'est amusant. Bon, ouais. Je dois partir à la quête de l'autodétermination, mais je ne sais pas comment faire, je suis un peu perdu, alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider, peut-être que vous pouvez faire ça à ma place. Malheureux. Quoi? Faire à ta place? Tu n'y penses pas? Si Maître Yoda t'entendait... Non, je peux uniquement t'accompagner. Pas faire à ta place, t'accompagner, simplement. Oui, mais... Comment? Ah, comment je... Si seulement je le savais. Il y a un exemple, c'est quoi? Non, c'est quoi cette quête de l'autodétermination? Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi un exemple. Un exemple? Par exemple, tu peux décider par toi-même de ce que tu veux manger ou quand tu veux manger. Par exemple, si tu ne veux pas prendre le repas avec tout le monde à l'heure précise, tu peux décider de commander, par exemple, une pizza pour le lendemain. Tu peux commander une pizza chez Jabba, le Pizza Hut. Oui. Tu verras, c'est... Mais par contre, il faut prévenir la veille, parce que sinon, c'est le bordel, hein, parce qu'il faut programmer, tout ça, c'est un peu le bazar, tu comprends? Commander une pizza chez Jabba, le Pizza Hut, mais quelle bonne idée! Bon, faut que je te laisse, parce que je dois m'occuper de Kevin, qui a un petit peu du mal à uriner dans le noir, hein. Faut que je lui installe une dark mole. Ok. Bon, j'y vais. Okay. Bon, j'arrive, Kevin. Non, pas maintenant, trop tard. Oh mon Dieu, commander une pizza chez Jabba, le Pizza Hut, mais quelle bonne idée! Et si je préfère un burritos? Pizza? Burritos? Burritos? Pizza? Je vais devoir faire le choix moi-même. Mon Dieu, que c'est difficile. Je dois prendre le risque de savoir ce que je vais manger. Pizza ou burritos? Ah, je ne sais pas. Peut-être que c'était plus simple quand on décidait pour moi. Non, je dois faire le pas. Mais qui j'entends? Mon camarade de chambrée, Choukaka. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Choukaka? Hein? Comment? Quoi? Ok. Ok. L'autodétermination va être moins facile pour les uns que pour les autres, peut-être. Il va falloir trouver un langage particulier. Peut-être que je pourrais utiliser un... Le Falc de C3PO, ou les pictogrammes de D2R2, je ne sais pas. Mais il faudra trouver un moyen pour que lui aussi puisse choisir entre pizza ou burritos. Oh, mon Dieu, je ne sais pas si je vais arriver dans cette quête. Aurais-je la force de Nicolas, qui lui a réussi à faire cette navette? Je ne sais pas, je voudrais avoir sa force, mais mon Dieu, qu'entends-je? C'est déjà pénible, mais c'est ma chérie, la princesse Lala. Oui, ça va. Tu aurais pu fermer ton petit haut, là. Elle est là, ta ceinture. Je te l'avais préparée, mon Dieu. Je te le mets, parce que sinon, on voit tout. C'est pénible. On ne veut pas tout voir. Princesse Lala, comme tu es belle ce matin. Mon Jedi? Oui. Qu'est-ce que j'ai entendu? Quoi? Tu pars à la recherche de l'autodétermination? Ne hurle pas, tu as un micro. À la recherche de l'autodétermination, alors qu'on est mercredi, mon Jedi? Il fallait vraiment que tu la fasses, celle-là. Oui, on m'a dit que c'était important. On m'a dit qu'il fallait que je cherche ça, que même dans les contrées lointaines du Grand Est, ils font des rencontres où ils se lèvent parfois, où ils ont rendez-vous parfois avant 8 heures pour en discuter. Avant 8 heures? Avant 8 heures. Mais c'est où? Mais c'est dans les Grands Est. C'est super tôt, surtout quand on a fait la fête la veille et qu'on a bu ce petit vin blanc rond mais ferme. Ah, j'espère que c'est à Strasbourg et pas à Charleville-Mézières. Non, n'exagérons pas. Bon, j'ai pour toi
un petit cadeau qui pourra peut-être t'aider dans ta quête. Un cadeau? Oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Oh. Un néon? Oui. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un néon? Je sais pas exactement encore, mais débrouille-toi avec. Peut-être que tu pourras en profiter pour demander que nous puissions enfin préparer une... partager une chambre ensemble, toi et moi. J'en rêve. Ce serait tellement bien, ce serait mon rêve. Mon rêve est bleu. On est si beau, c'est merveilleux. Oui. Tu veux dire partager une chambre et être avec toi dès le matin? Dès le matin. Comme ça, je pourrais te chanter dès le petit déjeuner. Et le temps du matin, en riant, elle regarde. Tu veux dire être avec toi avant mon premier café? Oui, parce que je t'aime. Je t'aime. Princesse Lala, je t'aime. Bonne chance, mon Jedi. Je suis tellement tenté, mais ça va pas forcément être facile, tu sais. Mon Dieu. Oh, il faut que je m'autodétermine aussi, peut-être, par rapport à la princesse Lala. On ne peut pas tout accepter. Et la voir à côté de moi dès le matin, non, c'est peut-être trop. Mon Dieu, mais comment? Je sens que les choses changent tout doucement, que le prince qui patine recule, que je commence à prendre des décisions, mais je sens quand même qu'il y a cette force noire qui reste là, toujours à mes côtés, derrière moi, qui me pousse, qui me tire, mais mon Dieu, je sais qu'elle est là, qui me retient de faire vraiment ce que je veux. Je l'entends. Mais qui es-tu? Je suis ton père. Ah! Bah oui, je suis ton père, c'est ce que tu veux. Ah, la famille, merde! Oui, comme ça. Mais ne me retiens pas, je veux trouver cette quête de l'autodétermination. Tu ne peux pas, je suis ton père et je suis là pour être à tes côtés, pour t'aider tout le temps. Non, je suis là. Je ne me laisserai pas faire. Oh mon Dieu, ça s'allume et le mien ne s'allume pas. Ah, c'est ça. Appuie un simple coup dessus. Mais je sais, c'est ce que je fais. Voilà. Ta gueule. Ah. Tu entends beaucoup à apprendre, petit voilà. Jedi. Il faut que tu me laisses partir, père. Mon Dieu, j'ai 28 ans, papa. Je peux prendre mes décisions. Non, si tu prends tes décisions toi-même, tu risques de faire des bêtises. Mais je papa, serai avec toi. Ça sera mes bêtises, papa. Il est temps pour moi de faire mes propres bêtises. C'est la peur qui te guide. C'est la peur, papa, qui te guide et essaie de me retenir comme ça. Mon fils, tu sais que je serai toujours là pour toi. Mais je sais, papa, mais j'ai besoin de faire mes bêtises. C'est mes propres bêtises. Et comme ça, je ferai mes propres bêtises. Je tomberai moi-même. Ça sera mes propres chutes. Et c'est bien, j'ai besoin de ça, papa. Alors, je te laisse, fils. Merci, papa. Va sur le chemin de l'autodétermination. Merci. Moi, je vais prendre un peu de Ventoline pour ma respiration. Et de toute façon, je viens manger dimanche, hein. Maman fait du gratin. Oh, wow. Oh, ça y est, je sens que ça évolue. Mais il est minuit. Il est peut-être le temps que je cherche un burritos. Merci.